c'est un concept de boulangerie traditionnelle. Donc vraiment, le pain est fabriqué à l'endroit même où il sera vendu. Donc les franchisés seront livrés en farine et toute la fabrication se fera sur le lieu de vente. Associé à cette offre de boulangerie-pâtisserie, une offre de restauration rapide à emporter. Donc panini, pizza, sandwich et de la même façon une fabrication maison à partir de pâtes à pizza faites par les boulangers, donc pâtes fraîches maison. Le franchisé suivra une formation au sein de nos locaux et ensuite dans son lieu de vente à lui, qui lui permettra d'apprendre les rouages un petit peu particuliers du métier de boulanger, mais il n'a besoin en aucun cas d'être boulanger, il aura simplement dans son équipe des boulangers de métier de formation qui assureront la production du pain. Un boulanger peut tout à fait rejoindre le réseau de franchise, simplement nous on a mis en place des techniques, des savoir-faire, un savoir-faire que l'on développe maintenant depuis 1986, donc on a testé les choses, on a testé les produits qui fonctionnent, et le concept qu'on propose maintenant c'est quelque chose qui permet d'avoir des chiffres d'affaires relativement importants, donc on lui demandera simplement de suivre un petit peu nos directives, je mets ça entre guillemets, pour pouvoir s'adapter au concept de fournir des provinces. Le franchisé, comme il n'a pas besoin d'être boulanger, il faut quand même qu'il ait les bases de la boulangerie, donc il suivra une formation de 80 jours dans nos locaux. À la sortie de cette formation, ça lui permettra d'avoir les bases de la boulangerie et de pouvoir ensuite assurer le suivi auprès de ses employés. Donc une formation qui sera assurée dans nos locaux à partir d'un manuel opérationnel, vraiment support de formation, qu'il utilisera par la suite pour former ses salariés. Alors contractuellement, il y a 8 visites par an qui sont prévues, donc on viendra 8 fois dans l'année rencontrer ce franchisé et étudier avec lui ses chiffres et lui permettre d'augmenter son chiffre d'affaires. Il y a également des commissions qui sont prévues au niveau national et au niveau régional. C'est un échange qu'on veut entre le franchisé et le franchiseur, donc ces conventions ainsi que les visites nous permettront aussi d'avoir le retour des franchisés, leur point de vue, de faire évoluer le concept au niveau des techniques, au niveau des produits, mais vraiment on veut que la franchise Le Fournier des Provinces soit un échange entre le franchiseur et le franchisé et pas simplement des directives données de notre côté et que le franchiseur aura à suivre. Voilà, c'est vraiment un échange et en vue de faire évoluer le concept positivement. Alors pour l'instant nous n'avons pas de franchise, tous les magasins que nous avons 6 points de vente, sont tous en propre, mais voilà, la qualité est là, nous faisons des chiffres d'affaires remarquables, nous avons beaucoup de clients, beaucoup de passages clients par jour dans nos magasins, donc la qualité est là, nous avons déjà des retours. Sur 25 ans d'expérience, on a déjà eu des remarques clients, donc c'est en ce sens que le concept évolue et qu'on a réussi maintenant à mettre en place un concept qui se veut performant.